Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise Sunbreak. On se rapproche petit à petit de la fin du jeu. D'ailleurs, plus on se rapproche de la fin du jeu, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on se rapproche du boss final, plus le ciel il est nuageux dans le jeu. Aujourd'hui, on va aller finir les deux derniers dragons anciens, donc Camellios et Kushala. Kushala, on va faire la quête de followers. Camellios, on va le faire en solo. Et après ça, on aura débloqué la quête Shoujin qui s'appelle Gathering of the Curio. Qui est une quête assez importante, donc il faut qu'on la fasse. Tu m'étonnes, c'est une quête urgente. Donc, voilà. C'est le programme pour aujourd'hui. Niveau armes et armure, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste amélioré les armes là où je pouvais. On va faire notre petit tour comme d'hab. Excusez-moi, ça commence bien. Ouf. Le chien, s'il te plaît. Oh, ça fait 50 ans que j'ai pas joué là. Ils sont arrivés face au Camellios de rangée là. Dans un souvenir, il rigole zéro celui-là. La gueule, ça devrait être gérable. Ok. On va faire le grand tour cette fois. Parce que ça rigole pas. Apparemment le Camellios il m'a vu, je sais pas comment il m'a vu. Spinacide d'or. Et on devrait être bon. Tac. Et tac. Ok, il faut vraiment que je change ça. Mauvais bouton. J'ai mieux voulu choper la tête. On va monter. Ok. Encore une fois. Et c'est parti. Le finisher. Il reste encore 2 minutes, tu restes en mode électrique. Et ça passe. Eh non, il est parti au dernier moment. Attention. Il faudrait que je me soigne. Donc il va aller vers l'intérieur. On donne les matériaux de Camellios, c'est pas le... Ça a touché.
Bon, on va pouvoir le voir quand il est invisible. Ouais, je voulais aiguiser. Il va essayer de s'enfuir. Oh, il part sous le sous, dans le sous-sol. Si on arrive à le faire tomber, il y a moyen de faire des trucs. Si on fait tomber au sol. Ok, red pollen, c'est pas grave ça. Ouh, bien joué le chat. Oh, et ça suffit pour activer les trucs. Ouais, et ça les a vidés, parfait. Ok. Je me suis fait combo comme un con. Attends. Ok. Vers l'intérieur. J'étais à deux doigts de faire dégager. Ok, c'est bon ça. Je soigne le poison par contre. Esquiver. J'adore. Je me suis fait soigner, je soigne instantanément nouveau poison. Ok. Putain, fait chier. Il est esquivé en volant. Oh, je me fais embuter. Ah, merde. Dommage. Mauvais timing et ça enchaîne avec une mauvaise décision. C'est mal passé. Oh. Aiguiser maintenant, moi c'est fait. Je ne peux pas y arriver, hein. Denator. Ok, vers l'extérieur. Et c'est quoi qui m'a fait tomber? C'est quoi qui m'a empoisonné? Sérieusement, il s'est passé quoi là? Je me suis pris une espèce de bombe. Donc le camélios il était au sol, j'ai rien compris.
Ah, peut-être le cercle il était encore là? Non? Peut-être que le cercle il était encore là et j'ai pas remarqué. Le cercle de poison, c'est pour ça que je me suis fait dégager. Bon, Camelos de ranger, ça va. Il a pas mal de nouveaux moves en vrai, de bah, sûrement des pas mal de shotguns de poison qu'il a. Bon, à part ça, c'est du classique. Donc, il est beaucoup plus focus sur son poison. C'est pas franchement une nouvelle chose pour un Camelios. Je vois toujours plus comme un monstre poison qu'un monstre physique. Même s'il chope son slam là pendant un moment. Donc là, il peut doubler son slam. Je sais pas s'il pouvait le faire ça déjà. Pas de gemme. Pas grave. Hop, deux subquests. On va aller d'abord sur Ristock, sinon je vais oublier. Tac, tac. Follower, follower quest. J'en ai gardé une. Pour Kushala avec Ronjin. On va y aller à la SNS. Sword and Shield. Par contre, je vais mettre une armure, celle-ci elle est dégueulasse. On va pouvoir mettre celle-ci. Ouais, celui-ci. On l'a fait en même pas 10 minutes le Camelios, on l'a défoncé. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, on dirait bien. Ouais, je crois qu'on va... Ma mallette refait des siennes là. Non? Même pas, je sais pas. Ouais, on va aller se... On va aller se préparer un peu. Kushala, ça rigole pas. Y'a pas de problème, Ronjin. On va t'aider. Hop. Ah ouais, oublie pas ça. Important. C'est utile surtout. Surtout quand tu chales là pour le laisser au sol. Tu me diras, le Kushala Drive, il reste vachement au sol déjà. Il reste déjà pas mal au sol le Kushala Drive. Monte s'il te plaît. Hop, toi. Ah merde, j'ai oublié un qui était juste là. Kushala, il est là. Et putain, je les ai tous oubliés. Oh ya, nakanaka ii keshiki da. Yahari shizen wa utsukushi ne. Ouais, la nature c'est beau, tu as raison, Ronjin. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais ouais. Hop. Et enfin, on est venu là pour toi. Je suis pas censé faire ça, on va pas s'amuser le chien. Bon allez, on a ça perdu de temps, allons-y. Attendez, juste un petit dernier temps à perdre. Voilà, c'est bon. On est parti. Faire ça, l'insecte, et Kushala il s'est barré. Super. Oh.
Oh, ça fait du bien, je peux me tuer. Ah, j'ai essayé d'esquiver. On peut utiliser. On le gardera pour plus tard, ça. Attends qu'il fait son combo. Voilà, au moins on est tranquille. Passe derrière. Passe derrière, c'est mauvais. J'adore contrer cette attaque. Oh, j'aurais pu faire un backstep là. Parfait, on l'a. Non, il m'a ramené comme d'habitude, le classique. Chaleur. Blast, ok. Et ouais, je pouvais rien faire. Oh putain, ok, il est venu nulle part lui. Et j'ai toujours le rouge. Il est où? Il est juste devant. Allez, le rouge encore un peu. C'est bon, parfait, on a les fils rouges sur le Rajang. C'est-à-dire qu'on va lui mettre le max de dégâts. Alors, je vais aller doucement. Comme ça, je loupe pas mes... Et c'est bon, je l'ai toujours. Non, fais chier, j'ai voulu la jouer greedy, tant pis. Ok, et avec ça, on le met au sol. J'ai loupé mes inputs. Merci, le backstep. Ce qu'il y a au sol. Et il a déjà repris le vent noir. Dodo. Non, s'il te plaît. Je me loupe sur les inputs. J'appuie sur le bas en retard. J'ai récupéré celui-ci. Celui doré aussi au passage. Il va pas se casser sa tête, hein. Il repart voir Rajang. On pourra pas les monter vu qu'on a déjà monté les deux. Rajang va sûrement se barrer. Maintenant que j'y pense, on va boire ça. Ah non, mais booste pas les effets de ça, punaise. Je pensais que ça boostait que les potions, j'avais oublié.
Ok. Beaucoup trop tôt. Je suis en train de chercher le bouton pour garder, pour utiliser un item. Je m'en suis mis au dernier moment pour garder l'attaque. Ouh, j'avais oublié cette attaque. Ok, ça on va l'esquiver. J'ai complètement oublié comment utiliser la caméra, c'est abusé. C'est ça quand tu joues pas au jeu pendant 50 ans. Ce bouton pour la caméra. Et ouais, c'est un combo vu que j'ai pris le vent. Elle fait un bruit rondine. Et il s'enfuit encore. Putain, ça sent fort chez moi. Descends. Ok. De toute façon, je préfère me battre en bas. Allez, essayez de flash, ça n'a pas marché. J'aurais dû contrer ça, je sais pas. Ouais, ça a pas flinché cette fois. Je vais m'enlever ça. Attention. Le barrage de tornade. Oh, elle était dans le mur. C'est bon, j'ai enfin réussi à mettre les coudes bien comme il faut. Oh, super. Oh, et je le flinche. Enfin, je le... Enfin, le truc qui casse. Essayons de l'endormir. Oh, ça a marché. J'attendais pas à ce que ça marche. Le chien qui aboie dehors, désolé. Je peux rien y faire, c'est le chien de mon voisin. J'ai choisi ton bon moment pour finir de l'autre côté. Et bon, on touche. Ok, vent noir. Oh, Kitenator, je l'entends. Idiot. Parfait, ça a touché. J'ai peur que je l'avais flinch en dehors du Kitenator. Ça a quand même touché. Et
C'est lui qui m'a chopé au passage, c'est lui qui m'a chopé au retour, c'est toi. Bien joué le chat. Cette fois-ci je vais me soigner par contre. Rajan qui est de retour. Oh, 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 oh. Je l'ai perdu de vue. Ouais. Plus d'insectes. S'enfuit. Il part en 9. On va se TP, je vais pas cavaler jusqu'en 9. Pas déconner non plus. On va aussi en profiter pour full heal. On va sûrement y dormir. Il me voit, il me voit pas encore. On va attendre qu'il dorme ou on est tranquille. Y'a pas intérêt à descendre, Ondine. Il y avait un random buggy ici. Oh putain, merde. J'ai oublié qu'il avait cette attaque. Tac, il est parti la voler à Lamatsu cette attaque. Continuons, continuons. Pas de gem. On va juste ramasser ce qui passe. Hein. Ouais, j'aurais pu ramasser lui. Ouais. Bon. C'est déjà pas mal, hein. Deux dragons anciens en moins d'une demi-heure. Donc Shao nous a pris beaucoup plus de temps que Camélios. Yes, une gemme dragon ancien, ça m'en fait 3. Il vous en faut la blinde pour la fin de jeu de ces trucs. Des gemmes dragons anciens. Sail, on va voir ça vite fait. Avec ça, on a vu tous les monstres que je voulais voir. Alors, j'avais prévu mes épisodes à l'avance, mais j'ai complètement oublié qu'il y avait des... J'ai juste prévu les monstres de la title update. J'avais complètement oublié qu'il y avait des monstres en post-game. Donc, il va falloir que je refasse mon... Oh, nouveau set. J'irai voir ce que c'est là tout de suite. De toute façon, il faut qu'on regarde les sets d'armure. On va les regarder maintenant, parce que le prochain monstre avec qui on va affronter va pas nous donner d'armure. Ah, moi, c'est ce qu'il y a là, j'oublie à chaque fois, sinon. Désolé. Je suis dégoûté. J'ai perdu la dernière quête de la vidéo. C'était la quête la plus importante à faire en plus. J'ai oublié de vider ma corbeille. Il y avait 20 gigas dans ma corbeille. Et l'OBS a décidé de s'arrêter après la quête du Kushala. Donc là je me retrouve un peu comme un con parce qu'il y a pas moyen, c'est la seule quête que tu peux pas recommencer dans le jeu. Littéralement, c'est une fois que tu l'as fait, la quête elle a disparu. J'ai essayé d'aller, je suis parti chercher sur le Nexus, me choper des mods pour essayer de refaire revenir la quête. Là ça fait une bonne demi-heure que j'essaie de faire marcher le mod, j'y arrive pas. Je suis dégoûté parce que j'ai pas plus de temps à perdre que ça, je dois aller faire autre chose.
Donc j'ai fait la quête entière avec le Lunagaron de Gathering of Curio. C'était sûrement la quête la plus stylée du jeu, j'étais trop content en train de la faire. À vous expliquer chacun des trucs, à vous montrer les carcasses de monstres sur la map, les cinématiques, les curios dans le ciel, le fait qu'il n'y ait pas de monstres sur la map, il y a tout qui est mort. Mais non, il a fallu que je perde le record sur la seule quête qui peut pas se recommencer encore une fois. Putain, je suis dégoûté. Là, j'essaie depuis tout à l'heure d'installer ce mode. Oh, j'ai eu une migraine. Tout ça parce que ma tête de con, elle a oublié de vider la corbeille parce que j'avais plus de 20 gigas de record sur le DLC d'Elden Ring. Que j'ai oublié d'effacer. Donc, bah, désolé. Il n'y aura pas de troisième quête. Hein, la miniature, elle vous a menti. Je suis dégoûté. Je vais au moins vous montrer les cinématiques, je pense. Même si, bon... On n'a pas fait la quête, quoi. Je suis dégoûté, parce que c'était vraiment une super... C'est vraiment, pour moi, cette quête, c'est la meilleure quête qu'il y a dans... Parmi tous les jeux qu'il y a dans Monster Hunter, c'est... Parmi toutes les quêtes de Monster Hunter, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure, c'est celle-ci. Donc, bah, vas-y, je vais vous remontrer les cinématiques. Hein. Tu veux que je te dise quoi? Si le jeu il faut faire tourner la cinématique, qu'est-ce qui se passe? Finalement, y a rien qui va aujourd'hui. Ok, encore changement de programme. Le jeu décide de me laisser un chargement infini quand j'essaie de mettre la cinématique. Donc j'imagine que je vais me faire voir. Ouh. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite avec un épisode qui c'est pas de la merde cette fois. Putain, j'ai la haine. Allez, ciao.